Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce 40e épisode donc de Stardew Valley. Donc voilà. Vous voyez, on est passé au premier. Donc on a changé de saison dans la logique. Voilà, on est en hiver, donc ça y est, c'est officiel. L'hiver est là, donc je sais pas du coup comment ça va se passer. Donc je suis très heureuse d'être ta voisine et j'ai pensé à t'envoyer de quoi nourrir tes animaux pour te faciliter un peu la tâche. Continue comme ça, Marnie. Ok, elle nous a donné 30 foin. Bon, soit on en avait déjà, mais merci à Marnie. Donc là, on voit tous mes chemins et tout, mais je sais pas du tout ce que je vais pouvoir planter. Et vu que ma hache est chez Monsieur Clean, pour le moment, je peux pas faire grand-chose. Bon, j'avoue que ça va être un petit peu embêtant. Donc on va devoir aller chez Pierre, je pense, pour voir un peu ce qu'on peut faire, tout simplement. Donc on a 400 de bois, on a ça. Ouais, on est plutôt pas mal. Donc faut juste voir ce qu'on peut planter en fait. Tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut planter cette saison? Est-ce qu'il y a des choses possibles ou pas? Ah, nos petites poulettes. Hop. Cette fois elles ont mangé. La dernière fois elles n'avaient pas mangé. Hop. On a fait une petite caresse. Hop, et à celle-ci. Donc, il faut qu'on fasse le poulailler de luxe, du coup, pour pouvoir avoir tout ce qui est canard et des oies, ou je crois, un truc comme ça. Ouais, clairement, le décor change, là. Waouh, c'est énorme. Salut, toi. Alors, elle est toujours considérée comme un bébé, ou... Ok, donc, je peux pas lui parler? Enfin, lui parler... Marguerite a l'air vraiment heureuse aujourd'hui. Elle a toujours un mois. Ok. Donc, on est un petit peu embêté. Bon, je sais pas trop comment ça va se passer pour qu'elle grandisse, je vous avoue. Du coup, ça... Ok, 13... Ah bah, du coup, ça, je suis obligée de le garder sur moi. Donc, des gros œufs, normalement, j'en ai plus besoin. Ça, je le mets à vendre. Ok, le reste, on va faire des omelettes. Parce que là, on va pas pouvoir aller dans la mine dans cet épisode. Du coup. Hop. On se fait des réserves. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, donc c'est ça. On va aller chez Pierre. Parce que là, j'avoue que mon terrain, il est salement... salement dégueulasse. Hein, on va pas se mentir. D'ailleurs... On va se refaire des pavés. Hop. Parce que ça, je peux déjà en mettre ici. Hop. Et on va en mettre ici. Attends, là, 1, 2, 3, 4. Donc là, il va falloir que je décale tous mes chemins ici. Si je veux avoir un truc clean. Je peux pas... Ah, il me faut la pioche pour pouvoir enlever les trucs qui traînent là. Bon, donc on va être un petit peu embêté. Alors, c'est parti, on va aller voir Pierre. Eh, c'est quoi ce truc? Nouvelle entrée au journal. What? Il y a une cinématique là, on est d'accord. C'était quoi ce truc? Donc, mon journal. Mystère hivernal. Vous avez rencontré un personnage à l'aspect inhabituel près de l'arrêt de bus. En vous voyant, il a fui en direction de la ville. Pourrait-il y avoir un indice permettant de le retrouver? Donc il faut qu'on retrouve ce personnage. Et c'est quoi ça? Du ouf. Ok. Alors, où est-ce... Il faut qu'on retrouve ce truc. Où est-ce que je vais trouver ce machin, moi? C'est quoi ce délire? Maintenant, on va faire une partie de cache-cache. Je veux encore autre chose. Un petit sapin et tout, ouais, c'est cute. Bon alors là, on est mal barré. Ah, l'anniversaire de Linus. Et ce que je veux, c'est ça. Je meurs d'envie d'une cendre. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Ça tombe, c'est un poisson. J'en sais rien du tout. Salut la compagnie. Je vais voir s'il y a des choses à acheter pour cette saison. Ah, on peut toujours mettre du blé. Plante d'herbe. 1000 gold pour un truc. On peut mettre du riz.
Souvent servi avec des légumes. Ah non, c'est même pas. Ah non, on peut carrément rien planter. Eh, ça va être compliqué de se faire du pognon là. Ah, c'est horrible. Ah ouais, non, mais on va être dans la mouise totale là. Pour se faire de l'oseille. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Bon. Alors là, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc là, on va aller sur la plage, voir s'il y a des choses à ramasser. Enfin, c'est le seul moyen d'avoir les 10 000 de gold du coup qu'il nous faut pour pouvoir faire le poulailler de luxe. Ah ouais, la saison hivernale, elle va être terrible. Bon, par contre, les mouettes, elles sont toujours là, hein, tranquillou, bilou, normal, quoi. Tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Donc, sinon, il va falloir qu'on casse du caillou, qu'on les vende à notre petite Robin, et puis voilà, quoi. Ou alors, il va falloir que je me mette à pêcher. Ouais, pas une bonne idée. Pas une bonne idée du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je vous le dis. Bon, ça craint le pâté. Alors, où est-ce qu'il est ce personnage là? C'est vrai qu'il avait un aspect bizarre, mais bon. C'est pas parce qu'il a un aspect bizarre qu'il est méchant, quoi. Où est-ce qu'il serait ce personnage? Alors écoutez, hein, on fouine, on fouine, on fouine, on essaye de voir s'il y a moyen de trouver ce personnage-là. Tac, tac, tac. Alors, il y a encore du houla. Ça au moins, je vais pouvoir le vendre. Où est-ce qu'il serait ce personnage-là? Je vois pas d'indice. Là, on est chez Robin. Oh, il y a un bonhomme de neige. C'est sympa. Bon, là-bas, il y a Linus. On va le laisser tranquille. Là, c'est là où il y a le spa. On n'est jamais venu trop par ici. Alors, attendez, la carte. Non, il n'y a rien de plus. On peut rien faire. Non. C'est pas les quêtes que je vais ouvrir. On va le voir par là. Est-ce qu'on peut traverser là-bas? Eh ouais. Non? Non. Hein? C'était le magnifique fail d'Elo. Moi, je me dis, bon, bah, elle peut avancer, c'est bon, on peut y aller. Let's go, quoi. Mais non, que dalle. Et où est-ce qu'il serait, ce personnage-là? J'aimerais bien savoir où il est. Ah, ma rue. Oh, il fait tellement froid. Ouais, tu m'étonnes. Bon, elle parle pas plus que ça. Bon, bah, bye bye. Ciao, ciao. Alors, où est-ce qu'il serait? Quoi, c'est marrant de voir les petits oiseaux et tout. C'est bien foutu. Mais où est-ce qu'il serait, ce fichu personnage? Là, j'essaie de faire le tour de la ville, mais je vois pas trop où il est. Marche droit, Hello, ce serait pas mal. Oh, mais là, ça va être horrible pour se faire de l'argent, en fait. C'est ce que je suis en train de me dire, hein. La saison hivernale va être terrible. Alors. Alors là, je sais même pas où je vais, je vous jure. J'y suis jamais allée par là. Je suis jamais allée aussi loin. On peut pas traverser. Non. Ok, donc là, on peut pas y aller. On va faire le tour là. Je vois pas d'indice qui traîne par terre ou quoi que ce soit pour retrouver le truc qu'on a vu là. Et là, on va aller vers la tour du sorcier, ouais, c'est ça. On va aller le revoir. J'ai vu beaucoup de choses concernant ton avenir, jeune Elo. Si je t'en parlais, cela aurait de graves conséquences. Ok, c'est toujours aussi super mystérieux. Ciao, Bello. Monsieur le sorcier.
Bah, où est-ce qu'il serait ce truc? Ouais, je suis un petit peu inquiète concernant cette nouvelle saison. Je vais pas vous mentir. Ouais. Bah alors, je peux pas passer, je peux pas casser, puis j'ai pas ma pioche du coup. Un petit peu problématique. On voit pas d'indice. Où est-ce qu'il serait caché ce truc? Ouais. Donc là, c'est chez Marnie. Donc là, on va retourner à la maison. Étrange, étrange, étrange. Je n'aime point cela. Il n'y a pas de fruits. Mais où est-ce qu'il serait passé ce truc? Parce que je suis pas folle, on n'a vu aucun indice. Alors, est-ce que là-haut il y a quelque chose? Alors là, j'adore, hein. Franchement, c'est cache-cache, hein. C'est fandard là. Mais est-ce qu'il serait pas planqué chez quelqu'un? Chez un habitant? Ouais, donc là, c'est le spa, c'est ça, il y a chez Linus. Mais j'ai fait le tour de la ville, là, je peux pas plus. J'aime pas ça. Oh, tenez, il y a Robin. On va aller voir Robin. Salut! Hey, c'est le moment idéal de l'année pour récolter du bois. Peut-être que tu peux en ramasser assez pour améliorer ta maison. Bah oui, je voudrais faire mon poulailler surtout, moi. Mais là, il me manque un petit peu d'argent. Car ça coûte très cher. Mais du coup, qu'est-ce que je suis censée faire pendant la période hivernale, moi, les amis, là? Dans ceux qui regardent, là, si vous connaissez bien le jeu, aiguillez-moi, s'il vous plaît. Parce que là, franchement, ça va être la panade. Je vois pas quoi faire, en fait. Parce que j'ai pas de plantation. Donc, tout ce que je peux faire, c'est aller à la mine. Là, du coup, pendant l'épisode là, je suis coincée parce que je pourrais pas récupérer ma pioche tout de suite. Il est 19h, j'ai pas gaspillé d'énergie. Mais mince, qu'est-ce que je vais faire pendant cette période? Mais c'est horrible! Puis y a aucun indice, quoi! Comment vous voulez que je le trouve, ce machin? Je crois pas qu'avec deux houes et puis le oursin, je vais avoir les 4000 de gold qui me manquent. Hein. C'est même pas 2000, c'est 4000 qui me manquent. Après, je pourrais vendre des choses qu'il y a là-dedans. Mais le truc, c'est que je sais pas si je vais en avoir besoin. Donc, j'ose pas non plus trop vendre les choses, vous voyez. Puis tout ce qui est lance-pierre et machin, on peut pas les vendre. Alors, je trouve ça un peu con. Pardon, bête, dommage. Hein. Pas bien, je dis des gros mots, tout va bien. Ah, le lance-pierre, je peux pas le vendre. Je sais pas combien ça va me faire de gold de ça. Mais voilà quoi, je suis un petit peu coincée, ça m'embête. Ça m'embête vraiment beaucoup là. J'aime pas me sentir coincée dans un jeu, je vous avoue. Je n'aime pas. Et là, il fait nuit. Et bien évidemment, je vais gaspiller mon énergie là parce que je me suis promenée pour essayer de trouver ce biniou à la con. Hein. Voilà, c'est parti. Je suis énervée. Voilà, c'est dit, c'est fait. Hello, emploi, des gros mots. Tout va bien. Non, je suis pas du tout fâchée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Je ne rage pas. Une Hello qui rage, ça n'existe pas. Hop! Allez, on va se casser quelques trucs quand même, hein, parce que sérieux, sinon, c'est un petit peu dommage. Bon, par chance, on va se faire du bois. Et je vais finir par en vendre. Ça va être le seul moyen de me faire de l'argent. Je suis d'accord que c'est la bonne occasion de se faire du bois, mais j'ai pas coupé du bois pendant tout l'hiver, quoi. C'est un petit peu ennuyeux pour vous, je pense. Parce que vous en dites, mais voilà, quoi. Il va falloir que je check un peu bah, qu'est-ce qu'on peut faire durant cet hiver, quoi. Que je regarde un peu sur le wiki, parce que là, j'avoue que je suis un petit peu paumée. Voilà, quoi. Bon.
Bon, et bah écoutez, du bois, toujours plus de bois. Donc, on a pas mal gaspillé d'énergie. Je pense qu'on va aller se pioter. Et je pense que je vais faire une ellipse entre les deux journées, histoire de regarder un peu le schmilblick. Parce que là, j'ai pas envie de rien faire durant l'épisode, vous voyez. Parce que là, en gros, on s'est baladé pour essayer de trouver un peu où était le bestiau que l'on a vu. Mais on ne l'a pas trouvé. On n'a pas trouvé d'indice. Donc c'est un petit peu la panade. Et j'aime pas quand c'est la panade. Parce que ça veut dire que l'on n'en fait rien de concret. Et c'est pourri. Alors, les pommes de pain. Les pommes de pain et compagnie. Non, 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 non. Tu casses pas ça. Bah non, j'ai rien à foutre là-dedans. C'est là-dedans. Ah, on peut vendre de la sève en soi, hein. Pourquoi je garde un melon étoilé, moi? Je ne sais pas. Ça aussi, je vais le vendre. Hop. Allez, on va faire un autre petit dodo. Et je vais faire une ellipse entre les deux journées. Oui, on va faire roupillon! Ouais, bon. On a 1200 de gold en plus. Donc, il va nous en falloir plus. Hein? On va pas se mentir. Alors, on se retrouve pour cette journée numéro 2. Donc, j'ai un peu checké. Donc, ouais, durant l'hiver, en fait, il faut améliorer. Il faut vraiment se concentrer sur les quêtes du centre communal. Histoire de pouvoir, en gros, débloquer. Ah, notre pioche en acier est prête. Parce qu'en gros, à un moment donné, on va avoir la possibilité de réparer la serre qui est là. Mais il faut déjà débloquer une quête au niveau du centre communal pour pouvoir avoir accès à la réparation ici. Il va falloir qu'on fasse ça. Et apparemment, on a aussi une recette pour avoir des plantes hivernales. Mais je crois que je ne l'ai pas encore, moi. Alors, attendez que je regarde. Ah, graines sauvages hiver, ouais. Donc, il faut des racines hivernales et tout. Ok. Il va falloir qu'on s'occupe de ça. Hop! Faire des petites caresses à nos petites poulettes. Non. Je vais ramasser le coco. Mais elle me coince, c'est pas possible cette histoire. Hop. Allez, on va aller voir la petite meumeu. Et apparemment, le personnage mystère, j'ai pas fait attention, mais apparemment, il y a des traces de pas. Donc, il faut que j'essaie de regarder si elles y sont encore. Et en gros, il nous permet d'avoir des quêtes. Et ça, ici, c'est des vers. Et en gros, ça nous donne des choses. Donc, vous voyez, là, j'ai une racine hivernale. Et comme ça, je vais pouvoir me faire des plantes hivernales. Donc, des petites choses que j'avais pas fait attention. En même temps, faut savoir. Donc, je suis allée regarder un peu sur le wiki et tout. Mais voilà, quoi. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi différent à l'hiver. Et le chien qui dort dehors, en plein hiver, tout va bien. Non, je vais pas manger ça. Au contraire, on va garder pour pouvoir faire des petites pousses hivernales. Alors voilà, donc j'ai pris une centaine de sève. Je vais les mettre à vendre parce que franchement, on en a plein. Je sais que j'ai un courrier, hein, vous inquiétez pas. On va vendre également les œufs, écoutez. Et on va pouvoir aller récupérer notre pioche. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, hey, j'ai un petit challenge à te proposer. Attrape-moi un calamar. Il se pêche dans l'océan de nuit. Il ne se montre qu'en hiver, par contre. Oui, dit. Wow! Ok, donc il va falloir qu'on pêche. Moi, je vais pêcher. Ouais! Ouais! On est très ravis. C'est fou ce que je rayonne de bonheur, là. Oh my god. Je vous jure. Mon dieu. Et en plus, la nuit, quoi. Bon, alors, je disais par rapport au petit personnage. Ah oui, donc, alors, à chaque fois que je vois un truc comme ça, c'est des vers, il faut que je tape, parce que je peux avoir des choses à donner. La collection de la bibliothèque s'est agrandie. Ok. Hop. Il faut pas que j'hésite, du coup, à les taper, parce que ça va me donner plein de trucs. Hop.
Ah, ça se ramasse. Oh, bah nickel, ça va nous faire du pognon, ça. Hop, allez. Donc, on... apparemment, pour le personnage mystère, il y avait des traces de pas. Ah oui, d'accord, j'avais pas fait attention. D'accord, une plante. Bah ok, les traces de pas sont là. Tu es où, copain? Camarade? T'es où? Coucou? Je suis là. Parce qu'apparemment, il me donne des quêtes à faire. Et il est pas là. Oh punaise, vous allez me dire que je me suis foirée et que du coup je peux plus le voir? Ça m'embête là. Mais grandement. Comment je fais s'il se montre pas? Étant donné qu'il est censé m'aider pour mes quêtes. Ça craint le pâté. Ça craint, ça craint, ça craint, là. Bon, bah écoutez, on va y récupérer notre pioche. Ça m'embête. Ça veut dire que du coup, je vais pas avoir les quêtes du personnage mystère. Problématique. Problématique. Très problématique. On va passer voir notre petit monsieur là, parce que j'ai ça. Eh ben, je peux rentrer là. Donner au musée. Ok. Donc là, il a eu mes livres, c'est ça? Sur la collecte, la montagne et les forêts locales sont idéales pour trouver des fruits et des légumes sauvages. Un bon cueilleur des broussailles saisonne et les dégage des pierres et des branchages qui la jonchent. De sorte que les plantes sauvages aient plus d'espace pour pousser. Le cueilleur expert sait même replanter les plantes sauvages pour les cultiver à la ferme, n'est-ce pas extraordinaire? Ok. Sur la collecte... Bah c'est le même. Il manque un livre ici. Moi pas tout comprendre. Ouais c'est la même. Bon bah écoutez. Allez, bye bye. Nous, on va aller voir Clint. Ah, je me sens coincée pour cette saison. Hein. C'est problématique. Et du coup, j'ai loupé le personnage mystère. J'ai l'impression donc ça va un petit peu me mettre dans la mouise. Ah, j'ai les 10 000 de gold. Pioche en acier. Nickel. Merci, monsieur. Du coup, on va pouvoir grave se concentrer sur la mine. Et améliorer un peu nos outils, tout ça. Ouais. Je me sens coincée. Pour ce personnage mystère. Ouais, ouais, ouais. Je me sens coincée. Ça craint, ça craint. Oh! J'en ai jamais eu de ça. Nautile. Tiens. C'est la première fois que j'en ai un. On va aller voir au centre communal s'il faut pas le déposer. Vous savez quoi? Bon, au moins, on a toujours une source de revenus ici. Donc, c'est plutôt bien. Et en vrai, on pourrait aller voir Robin pour faire le poulailler de luxe. Hop, hop, hop. Ouais, on va essayer d'aller voir Robin. Ouais, 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 ouais. On va faire ça. Toulou, 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 toulou. On fait passe-partout. Chez Robin, c'est au-dessus. Par contre, ouais, il y a les traces du personnage, mais je le vois pas. Ah, ça m'embête. Et ça, je peux pas le casser, là. Punaise, il est où le personnage mystère?
Les gens, je me sont coincés, j'ai fait nos bêtises. Je n'étais point au courant de ça. Bon, en même temps, j'aime pas trop. Enfin, quand je joue à un jeu, vous voyez, j'aime pas me spoil, donc du coup, je regarde pas. Je regarde pas faire forcément tout sur internet, vous voyez. Ah là-bas, il y a un truc qu'il faut que je ramasse. Bah, Robin, elle est pas là. La boutique est fermée. Ok, elle est chez Caroline. Tout va bien. L'autre, elle est partie boire sa petite tasse de thé, de café avec sa copine, tranquille, quoi. Normal, quoi. Nous, on a besoin de toi, Robin, bon sang. Alors. Bon, au moins, on sait qu'on peut se faire des graines hivernales. Donc, il faut un igname des neiges et une racine. Ah, il faut que je garde ça aussi. Ah ouais, donc il faut que je garde tous les trucs. Ok. Ok. Donc il faut qu'on garde tout ça. Est-ce qu'il y a encore... Ah oui, là, il y a des verres. Ouais, du caillou. Génial. On est ravis. C'est trop bien. Non, je rigole. C'est pas trop bien. C'est de la mouise. Bon. On va aller au centre communal. C'est ce que je voulais voir par rapport au Nautil. Donc il y a des poissons qu'on a qu'en hiver, donc il va falloir que je m'y mette, même si j'ai pas envie du tout. Il va falloir que je m'y mette. Donc c'est pas là. Non. Hé, mon crabe! Il faut que je le ramène. Ok, donc pas ici. Là-dedans. Mais clique, bon sang. Un oursin. Ah, il me faut un oursin. Ah! Oursin. Je n'avais point vu. Un pavot. Un pavot, un pavot. Ouais, donc les pommes, j'en ai toujours pas eu. Et voilà, c'est ici. Bon, bah c'est un étoilé. Et, ah, il me faut une gelée. Donc faut que je ramène le crabe et une gelée. Allez, c'est parti, on va faire ça. Ouais, il y a moyen en vrai. Qu'on organise un peu notre ferme pour les prochaines saisons, pour les prochaines années, vous voyez. Histoire de pas perdre de temps à l'hiver et de faire quelque chose de productif. Voilà quoi. C'est pas le truc full passionnant, vous voyez, mais en fait, c'est. Ça sera fait et on aura une ferme mieux automatisée et on sera tranquille quoi. Donc si on peut mettre un maximum d'arrosoirs. Parce qu'au final, moi, l'arrosoir, je pensais qu'il allait arroser de ouf et tout, hein, le dernier, hein, je vous assure. Hein, j'étais déterminée. Hein. J'y croyais, hein, mais que dalle. Que nini. Que nini. Bon. Des arrosoirs. Ah oui, il y a celui en iridium. 24 cases adjacentes tous les matins. Ah ouais, non, mais pour faire celui-là, il va m'en falloir beaucoup. Ah, moi, j'ai cet arroseur-là, en fait. J'ai pas même pas l'arroseur de luxe. Attendez. Attendez. Ça tombe, je suis en train de faire de la mouise. Ah, si, c'est l'arroseur de luxe. Arroseur de luxe. Arrose les 8 cases adjacentes tous les matins. Ouais, c'est bien ça. Donc c'est, il arrose ici. Bon, on n'a rien fait de productif, hein, clairement, dans cet épisode. Et ça me fait paniquer un peu. Je vais pas vous mentir. Puis là, il y a rien ici. Et le personnage mystère, franchement, là, je suis dégoûtée. Alors, oui, donc il fallait la geler, le crabe. C'est ça? Ah, c'est une géode gelée, donc ça veut dire que chez Clint, je peux les ouvrir. Ça me tente là. Ah, ça me tente bien. Alors attendez. Ça, je peux mettre à vendre, ça aussi. Par contre, si je veux pouvoir avoir des pousses hivernales, ça, il faut que je garde. À mort. Ça aussi. Pour pouvoir faire mes pousses hivernales, il m'en faut. Alors. Alors, mais là, c'est la galère complète, là. Avec le changement de saison. Je vous le dis. Et igname des neiges. Ça, il m'en manque. Hein. Igname des neiges. Ah, je vous avoue que je me sens coincée. C'est horrible. C'est horrible, cette saison. Du coup, le crabe, j'avais dit.
Le reste, non. Hein. Bon, allez. Ah, je suis dégoûtée. J'espère que le personnage mystère, il y a un moyen de le voir à un autre moment, parce que sinon, ça veut dire que j'aurais loupé le coche. Et là, ça sera très, très, très décevant. Parce que ça veut dire qu'on va passer à côté d'une partie du jeu. Et ça serait vraiment la loose. Alors, le centre communal, s'il vous plaît. Ouais, c'est bien là. Ouais, il est 23h, nous on se balade, tout va bien, tu sais. On n'a pas peur ici, bah non. Qu'est-ce que tu crois? Ouais, donc l'oursin, il me le faudra. Là, ça, j'ai pas. Et je suis pas tarée, là. Ah, voilà. Mais le crabe, c'était là-bas. Voilà, on a fini une quête, au moins. Au moins ça dans cet épisode, hein. Écoutez. Casier. À mettre dans l'eau, y placer un appât et revenir le lendemain pour voir s'il y a des prises. Fonctionne dans les courants, les lacs et les océans. Eh, sympa, ça! On ira le poser, les amis. Ça voudrait dire qu'on va pouvoir avoir du poisson sans forcément pêcher. Et ça, ça serait top pour nous. Puisque j'aime pas pêcher. Sympa, bonheur. Oui, il se fait tard, je sais. Je vais aller me pieuter, t'inquiète. T'en fais pas, ma petite. Alors... Non, là. Donc les chemins, ça. Et ça, j'ai allez en ouvrir que 4, je pense. Au prochain épisode, on ira voir Robin. C'est sûr. Et alors, dans les courants et les lacs et les océans. Donc il faut qu'on y place un appât. Mais du coup, les appâts, il faut qu'on les crée. Du coup, au prochain épisode, on regardera pour l'histoire des appâts, voir comment ça se passe. On ira certainement un peu dans la mine et bah on va essayer de s'habituer à l'hiver. Hein. Mais voilà, ça craint, on va pas se mentir. Donc allez, hop, on fait de deux. On se laisse pour cet épisode qui aura été, ma foi, pas très productif au niveau qualitatif, on va dire. On n'aura pas fait grand-chose et j'aurais sûrement fait une bourde avec l'histoire du personnage mystère puisque je ne l'ai pas vu en suivant les traces de pas. Donc, à mon avis, on va à côté d'une partie du jeu, hélas. Donc, voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour le suivant. En attendant, portez-vous bien. Bye bye à tous.